Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour tester un petit jeu qui est sorti avant-hier, si je dis pas de bêtises, Cult of the Lamb. Le culte de l'agneau! Yeah! On va rentrer dans une secte. Enfin, vous allez rentrer dans une secte. Oui, oui, oui. Et bonjour à Volky, bonjour à Nours, bonjour Pagis. Coucou Des, Tulip, Xena, Carrie, bonjour tout le monde, comment ça va? Comment ça va bien aujourd'hui? Alors, il faut savoir que ce petit jeu a une intégration Twitch. Donc, pour pouvoir participer un petit peu à tout ce qui va se passer, vous avez sur votre écran, sur le côté, à peu près, attendez, je vais vous montrer ça. Hop. À peu près là, au-dessus de ma tête, vous avez un petit coffre, un icône de petit coffre. Faut que vous cliquiez dessus et que vous acceptiez que l'extension accède à vos données Twitch. Voilà, ça vous permettra donc de rejoindre ma secte. Voilà, vous pourrez rejoindre avec des petits personnages que vous créerez vous-même. Vous pourrez aussi me donner des bonus ou des malus. Et malheureusement, il y a aussi le totem, mais le totem ne fonctionne pas pour moi. Alors, il faut savoir aussi que pour ceux qui sont sur mobile, ça ne fonctionne pas. Je suis désolée, les mobiles, ça marche pas. Donc, Tulip, je sais pas si t'es sur mobile, mais ça fonctionne que sur les PC. Tablette? Ah bah, tablette... Je suis sur PC, je l'ai pas. Comment ça, vous l'avez pas? C'est sur votre écran, hein, pas sur le chat ou autre, hein, c'est vraiment sur l'écran. Ouais, ça fait un petit coffre. Après, il faut peut-être que je lance la partie d'abord. Attendez, on va lancer le game de toute façon. Allez, écoutez, on va lancer le jeu. Saphira, perso, je l'ai. Tu l'as, Xena? Ah. Bon, bah, si Xena l'a, normalement, tout le monde il l'a. Hein. Après, enfin, uniquement les PC. Malheureusement. Il y a des échos avec ma voix? Quoi? Juste, faut accepter les gens. Ouais, faut accepter. Comment ça, il y a des échos avec ma voix? Non, non, pas ajouté à ta chaîne. T'es juste visible, je crois que c'est visible, il faut juste que tu le coches, faut qu'il y ait une petite croix. Et c'est tout. Après, toutes les interactions vont s'afficher sur votre écran. Il n'y a pas besoin de commandes ou autre chose. Voilà. Ok, on est bon. On est parti. Voilà. Let's go. Nouvelle partie, c'est parti. Allons faire une secte. Gloire à l'agneau qui se verra confier de grands pouvoirs pour libérer celui qui attend dans l'au-delà. Prends garde, bête sacrificielle, car deux agneaux ne peuvent partager une seule couronne. J'ai la couronne aussi, moi. Et voilà, on est un petit agneau. Il y a zéro écho, le souci vient de toi. Oh, ok. Et eh ben c'est parti. Ah, pour info, je joue à la manette. Parce que la manette, c'est bien. On va se faire sacrifier. Voilà, c'est un petit jeu tout mignon. C'est tout mignon, c'est très gai, c'est tout choupinou. Avec des petits agneaux. Et des petits monstres. Salut les monstres moches. Se soumettre au sacrifice. On se soumet au sacrifice. Let's go. Devant nous se tient la dernière créature de son espèce. Amis, nous avons mis à mort tous les autres. Ils ont tué tous les animaux. Ok. Grâce à cet ultime sacrifice, la prophétie ne pourra jamais se réaliser. L'hérétique qui se tapit dans l'au-delà sera condamné à la captivité pour l'éternité.
et la vieille croyance sera protégée. Aïe ! Voilà, on est décédé. Pauvre petit agneau. Pauvre petite créature innocente. Salut ! Celui qui attend. Approche, n'aie crainte. Car bien que tu aies déjà... rencontré la mort, j'ai encore besoin de toi. Ces stupides prélates pensaient pouvoir t'éloigner de moi, et pourtant, te voilà. Je suis prêt à te redonner la vie, mais la vie a un prix. Tout ce que je te demande, c'est de créer un culte en mon nom. Qu'en dis-tu ? Avons-nous un accord ? Oui ? Absolument, absolument. Absolument, on a un accord. Paf ! Agneau Power ! Agneau qui massacre tout le monde ! Allez, bim ! Bon, ils sont pas très durs à tuer, oui. Tapez ! Tout à fait, tapez ! On massacre tout le monde, vous nous avez sacrifiés. On va tous vous défoncer. Tout le monde est mort ? Elle est déjà violente, sa fille. Non ! Du tout. C'est un petit jeu sympathique et mignon, voyons. Il n'y a pas de violence. Hey, bouge, coucou, comment ça va? Si on rejoint sa secte, on crève instant. Mais non, vous inquiétez pas, vous serez heureux dans ma secte, n'ayez crainte. N'ayez crainte, je m'appelle Ratto. J'étais autrefois un porte-couronne, tout comme toi. Mais cette époque est bien loin derrière moi. J'ai été envoyé pour te guider. Nous nous trouvons au plus profond des terres de la vieille croyance. Nous courons un grave danger. Ma mission est de te conduire en lieu sûr. La sortie se trouve un peu plus loin. Traverse ces bois, je te rejoindrai. Ok, on a un copain. Ce soir, je fais de l'agneau. Mais non, moi, j'ai pas des agneaux. Eh oh, violence envers les agneaux. Ok, c'est parti, on avance. Tapez. On massacre tout le monde! Ou un coffre? Ouvrir l'inventaire. Oh, on a une pièce. L'or consume les cœurs et excite les désirs les plus profonds. Ok. On mange de l'humain. Non plus, je crois pas que ce soit une très bonne idée. Quoi. Esquive! Esquive! Esquive dans le dos! Bon, le gameplay est assez simple pour moi, mais sympathique. On mange quoi, nous, après? Eh ben... faut manger des baies. Ou la chauve-souris, là. On a de la chauve-souris, si vous voulez. Vous voulez de la chauve-souris? Ouais, par contre, si tu sors de la map, moi, je fais comment pour te taper, moi? Hey, coucou, sur ta place, comment ça va? Bienvenue à toi. Ah, dans le dos. Vous me tapez pas. Vous me tapez pas. Voilà. C'est bien, on récupère plein de pièces. Du coup. Il y a encore plein de pièces. Ok, on avance. Nous sommes bientôt arrivés. Hé, regarde, ce malheureux est sur le point d'être sacrifié. Sauf cette pauvre bête
et elle n'aura pas d'autre choix que de rejoindre ton nouveau cul. Ô puissant prélate de la vieille croyance, acceptez le sacrifice de cette âme misérable qui ose franchir les terres sacrées et interrompre notre rituel. C'est moi ! Je viens sauver cette pauvre âme innocente. Laissez-le tranquille. C'est mon futur copain. C'est mon copain. Ah, oh, mais il y en a encore un. Mais qu'est-ce que tu fais dans ton coin, toi? Viens me battre. Ok. On fout de la sœur. Bouge, c'est bizarre. En tout cas, c'est équilibré comme repas. Oui, c'est pas faux. Accueillez votre nouvelle recrue. Ok. Bon, on avance. On avance, on avance. Nous voilà en sécurité. Tu as fait du bon travail. La couronne rouge te permet d'utiliser ces marques au sol pour parcourir de grandes distances en un claquement de pattes. Laisse-moi te conduire vers un vieux temple en ruine. C'est l'endroit idéal pour fonder un culte. Retrouve-nous là-bas. Ok. Hey, coucou Seito, comment ça va? Pour moi, on sacrifie personne. On ne sacrifie personne. Les mécréants seront punis. Aucun dégât subi. Oh, nouveaux objets plus 50%. Trop bien. Incroyable, on a gagné des pièces. Maintenant, on va faire un culte bien où on sacrifiera personne. Facile pour les joueurs occasionnels, non, normal pour les joueurs réguliers qui cherchent une expérience complète et équilibrée. Difficile pour les joueurs expérimentés qui cherchent à relever un défi. Très difficile pour les joueurs aguerris qui cherchent à souffrir. Non, elle va faire la gentille. Mais non! Le premier à sacrifier, c'est pas juste. Oh, mais vous êtes que... Je pense qu'on va prendre du normal. Normal, c'est bien. Ouais, normal, c'est bien. Ouais, on va prendre normal. Ce lieu sacré qui était autrefois mien est désormais sous ta responsabilité. Cette vieille ruine est le point de départ de ton nouveau culte. Mon nouveau culte! Bah après, ça, c'est une question un peu... Disons que les subs, ça permet de débloquer de nouvelles émotes, ce qui est plutôt cool. Aussi. Mais les dons, c'est cool aussi. Donc c'est compliqué de répondre. Nous avons du pain sur la planche. Commençons par enrôler cette pauvre âme et l'accueillir dans son nouveau foyer. Ok, les gens, ça va être à vous. Tes adeptes peuvent collecter des ressources pour toi. Ordonnez à ceux-ci de ramasser du bois ou de la pierre. On sacrifie personne. C'est quoi cette secte de faibles? On peut pas considérer comme une vraie secte tant qu'on n'a pas fait au moins un sacrifice. Mais de toute façon, pour moi, on a personne à sacrifier. Ok, donc là, ça va être à vous, normalement, d'enrôler cette nouvelle recrue. Laissez-moi rejoindre votre culte. Je suivrai fidèlement tous vos enseignements. J'ai fait une bêtise. Je peux pas annuler. Je peux pas revenir en arrière. J'ai pas activé le Twitch.
On va recommencer. Non mais je m'en fous, fais n'importe quoi. J'ai pas fait la connexion à Twitch. Ok, menu principal, accepté. C'est pas grave, on commence. Ma faute. C'est rien. Après un live de sa fille, sans fake, c'est pas un live. Merci Xena. Est-ce que je peux l'activer tout de suite? Voilà. Connexion Twitch. Est-ce que tu fonctionnes? Ok, normalement, cette fois, on est bon. Ah, fait le bout de 20 minutes. Mais... voilà, intégration Twitch, c'est bon. Oh là. Voilà, vos spectateurs peuvent dépenser des points pour remplir la barre du totem. Donc ça, pour le moment, ça ne fonctionne pas. Lorsque cette barre est pleine, vous recevez une récompense. Ça ne marche pas. Lors des événements aide ou entrave, les spectateurs pourront voter pour vous donner un bonus ou vous punir. Ça, normalement, ça fonctionne. Et ça, c'est pour rejoindre ma secte. Et normalement, ça fonctionne aussi. Oh, bah, c'est pas grave, on recommence. Et coucou, Apple, comment ça va? Ah bah, c'est rien. C'est les aléas du direct. Kazimna. Ok, bon du coup on a compris, c'est bon. Vous répétez pas. On va revenir là où on était. Un nouveau sacrifice d'agneau, voilà. Je veux pas dire, mais il vient de se faire décapiter, le pauvre petit. Bah écoute, moi ça va très bien. Sympa ce petit jeu. Bah c'est ce qu'on va voir. Bon après je me suis un petit peu fail sur Twitch, mais du coup on recommence, mais on va y arriver. Du coup absolument, oui, on accepte. Bon après ça va, c'était juste 5 minutes de gameplay, on recommence. Une impression de déjà vu. Non, c'est juste une impression. Allez, let's go! On défonce tout le monde! Ça va vite! Hop! Parce qu'on veut notre première recrue dans notre culte, nous! On a acheté le décor aussi, c'est bien. Incroyable. Mais non, on va pas se retaper l'un pour deux, trois fois. C'est bon là, c'est bon. On est bon. Normalement, c'est bien activé. Y'a plus de fail, on est bien. Bon, allez, esquive. Je sais, faut esquiver. On esquive. Ok, on ouvre l'inventaire, on a compris. On sait comment ouvrir l'inventaire. Hey, y'a deux chemins en fait. C'est normal qu'il y ait deux chemins. Il y avait deux chemins déjà tout à l'heure? Est-ce qu'il y avait deux chemins? J'ai un doute. Ça, par contre, ça mène sur un cul-de-sac. Ok! Mais déjà, pour faire des sacrifices, il faudrait qu'on ait des gens. Pour moi, on a personne. On peut pas sacrifier, quand on a personne. Commençons par recruter des gens, on verra après pour les sacrifices, voyons.
Et bouge, je te préviens, t'es le premier que je sacrifie. Dès qu'on sacrifie, moi je te le dis, c'est pas pour sacrifier, voilà. Non, en vrai, on sacrifiera ceux qui sont chiants. Ceux qui bossent pas correctement, ils seront sacrifiés, tout ça, tout ça. C'est bon, on y est presque. Ouais, ouais, on va sauver cette pauvre âme. Qui est sur le point de se faire sacrifier en plus. On va le sauver. Sauvons cette pauvre âme innocente. Encore. Ce serait bien que je tape pas tant de pas. Éventuellement. Viens là, petit machin moche. Sacrifie-moi. Mais il y a tout le monde qui veut se faire sacrifier. Attendez déjà de rejoindre la secte avant de vouloir être sacrifié. J'aime bien comment il rentre dans le portail en mode. Voilà. C'est plutôt sympathique. Bah ouais, si on sacrifie tout le monde, il n'y aura plus de secte. Bon, on a compris, vieux temple, on y va. Hop! Let's go! Sauvons cette pauvre âme innocente pour que l'on puisse la sacrifier. Comment on rejoint la secte? On avait pris normal. Hein. Ouais, on va rester sur normal. C'est ce qu'on va faire là. Maintenant, on va avoir notre première personne qui va rejoindre la secte. Je vous rappelle donc que sur votre écran, il y a un petit coffre qu'il faut activer pour pouvoir ensuite. Ensuite, normalement, tout s'affiche sur votre écran. On va voir ça de toute façon. On va tester tout ça si ça fonctionne. Maintenant. Là maintenant, on est bon. Hein. On est toujours connecté, c'est bon. Let's go. Voilà, là on a le tirage au sort de l'adepte. Donc normalement, si vous avez bien activé le petit coffre, ça marche pas sur téléphone. Sur téléphone, ça fonctionne pas, je suis désolée. Vous avez quelque chose qui s'est affiché pour... vous avez juste marqué rejoindre la secte. Ouais, je suis désolée. Téléphone, on a zéro participant. Dites-moi que ça fonctionne. N'hésitez pas à faire F5 pour refresh si jamais... On a un participant. On en a un. On en a deux. On en a que deux, trois. C'est frustrant. Ouais, je sais, bah, c'est chiant que ça fonctionne pas sur le téléphone. Un ours, essaye de rafraîchir la page. Fais un petit refresh, un petit F5. On est toujours à 3. Ah, on est à 4. Je crois que j'ai réussi. GG Nico. Direct sauvé, direct sacrifié. Mais non! Bah écoutez, on va lancer le tirage avec 4 personnes. Il n'y a pas un texte en bas de...
Et on verra si on aura un peu plus de monde pour le prochain, ça vous va? Let's go! Allez, on fait le tirage. Bah un ours, c'est bizarre que tu l'aies pas. Ok. Qui va être notre premier adepte? Chargement. Xena. Allez Xena. Mais après il y en aura d'autres, vous inquiétez pas, on va en rajouter plein de des gens. On va en avoir plein, là c'est le premier. Et Xena, c'est notre première. Oh Xena, elle fait un petit chat. Un petit chat. Voilà, on a Xena qui rejoint le culte. Alors Xena. Clémence, moins 5% de fois lorsqu'un adepte est sacrifié. Xena, elle aime pas les sacrifices. Crédule, gagne des niveaux 15% plus rapidement. Ok, Xena, t'es crédule. Et Zélé, ignore les rebelles qui voudraient l'influencer. Oh, Xena, elle est fidèle. Hein. Attention, elle est fidèle, Xena. Mais elle aime pas les sacrifices, Xena. J'aime pas les sacrifices. Non, t'aimes pas les sacrifices. Faut la tuer, l'hérétique. Mais non, c'est Xena, tranquille. Allez, Xena, tu vas aller me chercher du bois. Allez, Xena, travaille. Grâce à toi, notre culte dominera le monde. Mais tes adeptes ne peuvent pas se contenter de prier pour vivre, ils doivent manger. Rassemble les ressources nécessaires et construis un feu de cuisine. Cela te permettra de préparer des repas pour tes adeptes. Et en plus, faut que je lui fasse à manger, Xena. Mais t'es sérieuse? Ouais, travaille, hein, Xena. Ok, il me faut 5 de bois et 2 de pierre. Ah bah, je vais travailler aussi, du coup. Bah, non, tu devrais travailler pour moi et être juste fière de travailler pour moi. Je te fournis rien du tout. Le chat gris, c'est bon. il me manque du bois. Plus de bois! Oh, mais Xena, elle me donne du bois en plus. Regardez, on voit son petit pseudo. Là, Xena, elle travaille. C'est quoi le petit coffre qu'il y a là? Vos adeptes déposent les ressources ici. Ok! Ah, c'est bon, on a ce qu'il faut. Ok, permet de transformer la nourriture crue en plat comestible à servir à vos adeptes. Oula. Il n'y a pas de place. Où est-ce qu'on va mettre ça? On va le mettre là pour le moment. Ah, il faut le construire en plus. Vos adeptes ont besoin de manger pour survivre. Pour cela, vous devez leur préparer des plats. Si le niveau de satiété de votre culte en haut à gauche de l'écran est trop faible, vos adeptes pourraient mourir de faim. Oh, ça serait dommage. Xena va pas mourir de faim, voyons. Vous pouvez trouver de la nourriture dans les donjons. Pour cela, privilégiez les routes passant par des lieux de récolte. Vous pouvez également construire une ferme en plein temps. En plantant des graines achetées ou ramassées dans les donjons. Ok. Donc là, c'est fou, le Xena, elle a pas faim, je crois. Collecter des baies et cuisiner. Collecter des baies. Des baies. Collectons des baies. Xena, faut qu'elle mange. Xena, la gourmande. Elle va manger des baies, Xena. Ok, cuisiner. Plat de baies, un plat simple à base de baies. 15% de chance que l'adepte ait envie d'aller aux toilettes immédiatement. Eh ben écoute. Xena, je t'ai fait à manger. Mais
Maintenant, nous devons construire un hôtel. Mais d'abord, nous devons réunir plus d'adeptes et collecter des pièces. Pour ce faire, il te suffit de mener des croisades dans les terres de la vieille croyance. Notre protecteur, celui qui attend, a été emprisonné par les quatre prélates de la vieille croyance. Chacun d'entre eux est le gardien d'une chaîne qui le garde captif dans le royaume de l'au-delà. Nous avons réussi à ouvrir plusieurs passages vers leur royaume. Il est de ton devoir de les traquer et de les tuer afin que notre protecteur puisse être libéré. Pars dès maintenant, là-bas tu trouveras des pièces et des nouvelles recrues volontaires. Si elles ne le sont pas, tu n'auras qu'à les convaincre par la force. Faut convaincre les gens par la force s'ils veulent pas, hein. Que c'est clair? Donc au mignon Zafira, une nourrice Axina. Oh, faut bien qu'elle mange. Faut qu'elle aille me couper du bois pendant que moi je vais bosser. Ah. On a une porte qui s'ouvre. Elle s'ouvre, non? Ouvre la porte. C'est moi ou il y avait Xena qui était en train de prier avec moi là pour ouvrir la porte? Elle était là Xena? C'est Xena? Au revoir Xena. Ok! Mais ça viendra Nico, t'inquiète! Vous pourrez tous rejoindre la secte, vous inquiétez pas. Oh! Bah écoutez, on prend... C'est une grosse épée ça, non? Oh. Lire. Arrivé sur les terres du prélat, les si. Ceux qui se détournent de la vieille croyance seront annihilés. Ok. Let's go. Aïe. Ah, il faut que je fasse gaffe, j'ai des cœurs, j'ai de la vie, on peut mourir. Par contre, j'ai deux chemins aussi. On va partir par là. Salut. Gloire à l'agneau qui se verra confier de grands pouvoirs pour libérer celui qui attend dans l'au-delà. Voici ce que les cartes m'ont montré. Il y a plusieurs vies de cela. Ou est-ce un événement à venir? J'ai tiré tes cartes 20 fois la nuit. Et pourtant, c'est une première. Prends ces cartes, je t'en tirerai une nouvelle à chacune de nos rencontres. Les cartes t'octroient alors un pouvoir. Quel pouvoir? C'est un mystère. Et pourtant, une vérité établie. C'est aux cartes de décider. Un cœur offert, une promesse tenue... Perçoit la faiblesse des pleurs. 10% de chance d'infliger un coup critique. Hein? Ça fit ta vie en même temps. Je suis un topiqueur. Je prendrais bien un cœur en plus, hein. Poursuis ton chemin et marche vers la lumière. Eh ben, c'est cool! Oh, donc ça c'est toutes les cartes qu'on a. Il y en a qu'on n'a pas encore. Donc ça c'est toutes les cartes sur lesquelles on peut tomber. Ok. Bon, bah c'est cool. Des petits bonus comme ça, ça fait plaisir. Allez, massacrons un peu ces gens moches. Faudrait que je fasse gaffe à ma vie maintenant. On va éviter de perdre des cœurs inutilement. Hein? C'est une bonne idée, non? Il y a encore plusieurs chemins! C'est un labyrinthe là-dedans! Salut les méchants! Salut les moches et méchants! Aïe! Bon bah, mon cœur en plus, j'ai déjà perdu! Ah bah, super! Il y avait rien du tout en plus!
Après, dans le coffre pour l'extension, il y a peut-être autre chose à activer. Je ne sais plus, c'est possible. Vous voyez, s'il n'y a pas quelque chose, genre... gérer les... C'est quoi, ça? Vous avez obtenu collier de plume. Un peigne du pouvoir d'un oiseau permet à un adepte de se déplacer plus rapidement. Ok. Après, Xena, t'as juste fait sur le coffre que ce soit visible ou il y avait autre chose à faire? Oh! Ok, faut choisir un chemin. Donc là, a priori, on a du bois et là, on a des baies pour nourrir Xena. On va partir sur les baies? Oui, il faut accepter les conditions. Ah! Ben moi, j'ai eu un texte en bas de l'écran où il faut accepter les conditions. Ouais, je crois que tout en bas, il y a une option. Moi, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas. Il y a une option où c'est marqué gérer les... Je sais plus quoi. Je récupère des herbes. Au plus, on prend les herbes. Ok. Là, je crois qu'on va avoir un boss. Ou pas. Peut-être un peu plus loin. Salut les vilains! Au revoir les vilains! Tu te déplaces bizarrement. Ok. De toute façon, je pense qu'on va bientôt en avoir un autre là d'adepte, non? Bon, après, il faut que j'évolue un petit peu dans le jeu aussi, il y aura plus de choses. Qu'est-ce qui se passe? Ah, salut! Comment est-ce possible? Agneau, toi et toute ton espèce avaient été sacrifiés et pourtant tu te tiens là devant moi. Quelle arrogance insupportable! Cette couronne, son pouvoir! Oh non! Agneau! Mais je suis plus fort que toi, minable agneau. Pars tant qu'il est encore temps. Bon, je vais nulle part. Hein. Par contre, moi, j'ai 3 chemins disponibles. On va aller en bas. Salut les méchants! Il y a des méchants partout. Aïe! Il m'a tapé! Ok, du coup, ici, il y avait juste un coffre. Ok. Oh, là, ça sent le boss, en fait. On va aller vers le nord avant. Oh! Des cartes! La patte de lapin, porte-bonheur, augmente vos chances de trouver des coffres. Ok. Le télescope. Admirez ce qui sera un jour à conquérir. Révèle la carte. Alors honnêtement, augmente les chances de trouver un coffre. Je dirais qu'on a quasiment terminé le niveau. Donc je passerai plus là-dessus pour voir ce que c'est. Ah, révèle la carte. Ok, d'accord, en fait c'est en haut. Je vois toutes les zones. D'accord. Donc ouais, là on est bien au boss et après c'est la sortie. Ok. Salut toi. Il a l'air malheureux. Ton aventure s'arrête là, jeune agneau. Mes adeptes sont prêts à tout pour me satisfaire. Peux-tu en dire autant des tiens? Oui. Xena, elle est prête à tout pour me satisfaire, j'en suis sûre. Je me sacrifiais pour votre cause, ô puissant guide. Ouais, je suis sûre que Xena est sacrifiée aussi pour moi, c'est sûr. Par le sang des êtres supérieurs, détruis la couronne rouge. Pas sûr, Sophie. Mais si, Xena, tu es prête à tout pour moi, je le sais. Que t'es moche!
Ok. Waouh, 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 waouh. Jeu d'enfant, allez bim. Enroulé. Je vous en prie, ayez pitié. Laissez-moi rejoindre votre culte. Je suivrai fidèlement tous vos enseignements. Vous savez ce que ça veut dire? Oh. 14 baies, 5 pierres ou 14 bois? C'est où je peux tout prendre? C'est un seul. Je peux en choisir qu'un. Ok. C'est moche, toi. Oh non, j'ai pris le bois. Non, mais l'épée, j'en ai ramassé tout à l'heure. Hein? T'inquiète, Xena, on aura de quoi te nourrir. Bloqué. Ok. Ok. Ebron, coucou, comment ça va? Bouffe du pagisme, mais non. Regardez, Xena, elle est là et travaille encore. Hein. C'est bien, Xena. Tu es encore en vie, c'est impressionnant. Tu as même réussi à convaincre quelqu'un de rejoindre notre troupeau. Accueillons cette nouvelle recrue avant de poursuivre notre travail. Est-ce que vous êtes prêts? On a une nouvelle recrue à recruter. Laissez-moi vous rejoindre votre culte. Je suivrai fidèlement tous vos enseignements. Ok, c'est parti. Chargement. Lancez le tirage. Allez, normalement, vous avez le tirage. Dites-moi que vous l'avez. Et coucou à ceux qui nous rejoignent. Zéro participant. Bah moi je peux pas du coup. Bah non, bah Xena t'es déjà là. Xena, on va pas t'avoir en 20 fois quand même. Toujours que dalle pour toi. Bah c'est chelou ça. T'as fait un petit refresh de la page? Juste, tu l'as pas non plus. Bon, merci pour ton follow, bienvenue à toi. Bon, on va terminer le tirage. Mais ouais, je comprends pas pourquoi vous l'avez pas, non. Nico Nico! On a Nico Nico qui rejoint la secte. Vas-y Nico, normalement tu as tout ce qu'il faut pour faire ton petit personnage. C'est cassé. Bah non, surtout que pour la plupart des personnes ça fonctionne, donc je vois pas pourquoi il y en a certains ça fonctionne pas. Oh. C'est quoi, c'est un âne? Un cheval? C'est un âne ou un cheval? On va dire que c'est un cheval. C'est un cheval violet! Et ben voilà, on a Nico Nico. Alors voyons un petit peu Nico Nico. Plus 10 de fois en tombant malade. Ok. Gagne de niveau 15% plus lentement. Ah bah bravo Nico Nico.
Ah, bravo. Je suis l'âne Toto. Ok, bah Nico Nico, écoute, tu vas aller faire de la pierre. Allez Nico. Les adeptes peuvent soit travailler, soit prier. Les adeptes qui sont en train de prier génèrent de la dévotion, que tu pourras ensuite récupérer. Mais pour pouvoir récupérer la dévotion, il te faut un hôtel. Ok, donc il faut que je construise un hôtel. Construisons un hôtel. Je peux le placer que ici, l'hôtel. Ok!